le 11 novembre de chaque année, les Canadiens et Canadiennes de partout au pays se recueillent en silence pendant quelques instants pour se souvenir des hommes et des femmes qui ont servi et qui continuent de servir dans notre pays en temps de guerre, de conflit et de paix. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre cérémonie virtuelle des écoles Cité Jeunesse et Marc Garneau. Je suis M. Serge, je suis accompagné de Kedwin White, élève de 6e année, et de Desmond Fletcher, élève de 9e année, qui liront des textes au cours de la cérémonie. Maintenant, veuillez vous lever pour l'hymne national du Canada, interprété par la musique de l'artillerie royale canadienne, et s'il vous plaît, demeurez debout pour la durée de la cérémonie. Le jour du souvenir est un jour. Tous les Canadiens se souviennent des hommes et des femmes qui ont servi et qui se sont sacrifiés pour notre pays. C'est un jour où nous encourageons chaque individu, jeune et vieux, à faire une pause, à rendre grâce et à se souvenir. Nous allons maintenant entendre la dernière sonnerie qui sera suivie d'une minute de silence et ensuite du réveil. Thank you.
là-dessus souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Merci de votre participation à notre cérémonie virtuelle du Jour du souvenir. Merci infiniment au comité du Jour du souvenir composé de Mme Mélanie Baudet, Mme Julie Mongeau-Reeves et de Mme Valérie Dubé-Hébert. Nous vous invitons d'ailleurs à aller voir la mise à jour de notre magnifique mosaïque de la communauté militaire de Trenton, ainsi que les magnifiques bricolages fabriqués par vous, les élèves, à l'entrée principale de l'école. Merci à Kelwin et à Desmond d'avoir bien présenté leur école respective, en espérant pouvoir ouvrir nos portes l'année prochaine pour une grande cérémonie avec parents et amis. Je vous souhaite une belle fin de journée.